Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais enfin faire ma routine soin du visage. Ça fait, je crois, depuis le début de ma chaîne que je promets de vous la faire. C'est juste que je ne suis pas 100% confiante avec ce type de vidéo, en fait, tout simplement. Parce que déjà, pour vous parler de ma peau et de ses caractéristiques, j'ai une peau grasse à imperfection, ou mixte, on va dire, une peau mixte plutôt, parce qu'elle n'est pas grasse partout, et c'est juste sur la zone T. Et j'ai pas mal d'imperfections, surtout à la fin d'un traitement médical, fin de l'été, j'ai eu plein de boutons. Clairement, j'ai eu de l'acné. Et je l'ai vraiment mal vécu parce que j'étais vraiment mal dans ma peau, j'aimais pas du tout ce visage avec plein de relief un peu de partout. Et bref, je le vivais très mal et je me sentais encore moins à l'aise pour faire la vidéo soin du visage. Et je suis du genre à être super perfectionniste, il faut que tout soit parfait, il faut que j'ai une peau super parfaite pour vous faire une vidéo soin du visage. Et ben j'ai relativisé, je me suis dit non, en fait c'est pas la peine. J'ai vu la vidéo aussi de Black Hair Velvet aussi et la vidéo de Emo Queen, ce qui m'a aussi redonner de la confiance et pour faire cette vidéo aussi aujourd'hui. Je suis super contente d'avoir enfin surmonté cette peur horrible. Bref, ma routine soin du visage, donc elle est assez complexe ou elle est bien à moi, donc je l'ai faite en fonction de mes habitudes, de ce dont j'ai besoin et ainsi de suite. Donc je pense que ça peut être intéressant pour les personnes qui ont à peu près ces mêmes problèmes que moi. Donc ma routine soin du visage vise vraiment à, d'une part, réguler mon excès de sébum, d'autre part, de réduire les boutons qui restent, et dernière chose, de unifier mon teint et d'avoir un teint bien homogène et faire disparaître les quelques taches d'hyperpigmentation. Je vais aussi faire une routine en deux parties. Donc aujourd'hui, je vais uniquement vous montrer la routine soin du visage du matin. Et la semaine prochaine, non, dans 2 semaines, parce que j'ai déjà prévu une autre vidéo pour la semaine prochaine. Là, dans 2 semaines, je vais vous montrer ma routine soin du visage du soir, qui est un peu plus complète, parce que j'aime plus m'occuper de mon visage le soir. Donc aujourd'hui, on va commencer avec ma routine soin du visage du matin. Alors, ma routine soin du visage du matin est très rapide et consiste seulement en 3 étapes, parce que le matin, bah, je suis beaucoup trop fatiguée. Et moins motivée à prendre soin de mon visage, donc j'ai opté pour une routine très simple et très rapide. Donc je commence par toujours me laver le visage avec mon gel nettoyant Bioderma que j'utilise depuis plusieurs mois, voire plus d'un an déjà. Et j'aime beaucoup ce gel qui est super doux et qui marche très bien d'ailleurs pour réguler l'excès de sébum. Je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, donc si ça peut vous intéresser, des solutions et astuces pour réduire l'ébriance du visage, je vous renvoie à cette vidéo qui sera quelque part. Ce gel est top et je me lave le visage avec un gant comme celui-ci que j'ai acheté chez Gina Tricot et que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je dis un peu trop de beaucoup. Ça, c'est une petite révolution pour me nettoyer le visage. Je trouve que ça permet de désincruster pas mal et ça me permet de me préparer pour ma deuxième phase qui est la solution micellaire Bioderma. Donc, c'est la suite logique du gel nettoyant et c'est une solution micellaire pour peau mixte et grasse que j'applique sur mon visage avec un coton pour effacer les dernières impuretés. Je veux que mon visage soit 100% propre quand je vais appliquer mon maquillage ou sortir de chez moi. Cette solution micellaire, bien, je l'utilise aussi depuis un très très long moment et j'aime beaucoup et ça m'aide tout simplement vraiment à réguler l'excès de sébum, donc à ne surtout pas briller la journée. Ensuite, j'applique ma crème du jour et j'utilise la Eucérine. Je sais pas comment vous dites en Eucerin. Je sais pas, je le dis un peu à l'allemande. Eucérine le Even Brighter. Donc c'est une crème de jour qui m'aide à réguler ces taches d'hyperpigmentation et d'avoir un teint beaucoup plus uni et homogène et uniforme et lisse et joli. Et j'aime beaucoup cette crème de jour qui sent super bon et qui a en plus un SPF 30. Donc ça c'est super cool pour les beaux temps qui arrivent. Ben, avec un SPF 30, vous êtes en plus de ça protégé contre les rayons de soleil. Donc ça, c'est top. Et voilà, ma routine soin du visage du matin est terminée. C'est assez rapide. Donc comme dit, je préfère tout simplement aller vite le matin
et ne pas perdre beaucoup de temps à prendre soin de mon visage. Et ouais, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à regarder la suite qui viendra dans 2 semaines, ma routine soin du visage du soir. Et si vous n'êtes pas abonné, bah abonnez-vous, comme ça vous serez tout de suite averti quand j'aurai une nouvelle vidéo. En fait, je crois que le clic d'abonnement est là-bas en fait. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Laissez-moi en commentaire vos réactions. Si vous aussi, vous êtes plutôt du genre à aller vite le matin, donc avoir une routine super simple, directe, en 3 étapes, et ensuite le soir, prendre le temps de soigner, faire le soin, oui. Ou si vous êtes totalement le contraire, ou vos réactions, ou si vous avez aimé ma vidéo, ou je ne sais pas, je vous fais plein 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 de bisous. À la prochaine vidéo qui sera dans quelques jours, je pense. Je vous fais plein 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 de bisous. Prenez soin de vous.